Bien, je suis avec le président du Mauritius Surf Club, Monsieur Alain Noël, qui aujourd'hui est certainement un homme satisfait puisque le club jockey qui deliver the goods, qui remporte trois courses aujourd'hui, Alain, ça, c'est sûr que cette performance vous donne une source de satisfaction. Et beaucoup, parce que nous avons beaucoup hésité depuis l'année dernière. On voulait peut-être avoir même plusieurs, mais financièrement, ça n'a pas été possible. Et on a fait venir un jockey pour aider surtout les petites écuries qui ont des problèmes. Et je suis très, très heureux de voir aujourd'hui qu'il a gagné déjà trois courses et il est sorti un second. Et avant ça, il avait déjà gagné une ou deux courses. Et je pense que ça nous donnera peut-être l'idée de continuer, de prendre un second, et voir comment ça marche. Et à l'avenir, peut-être changer de philosophie entièrement et faire un peu comme Hong Kong et que le club emploie tous les jockeys à la place des écuries. Ça résoudrait beaucoup de problèmes, je pense. En plus, je dois dire que je suis très heureux parce que l'année dernière, il y avait un problème pour l'importation des chevaux. Il manquait deux places sur l'avion. Donc, le TUF a décidé d'acheter deux chevaux qu'il a revendus à l'écurie Narang. Et les deux chevaux ont aussi gagné plusieurs courses. Donc on peut dire que vous avez un peu la main heureuse. Il faudrait que ça continue. En tous les cas, merci de votre disponibilité. En tous les cas, bravo. Il fait vraiment un parcours magnifique, Jean-Pierre Guillambert, qui a encore une chance dans la dernière. Il est en selle sur 7 carat. Merci Alain. Sur ce, on va retrouver Kavi pour l'analyse justement de cette dernière course.